Haïti, depuis 2010, est dans le désordre le plus complet. En 2010, il y a eu un séisme épouvantable qui a rasé l'île. Depuis, une guerre des gangs. Une guerre des gangs. Un président assassiné. Alors Jean, haïtien, témoigne, il est là-bas, en pleine guerre des gangs. Il a le courage de témoigner. Bonjour, Monsieur Buffon. Je vous contactais depuis Cap-Haïtien, en Haïti. En C'est Haïti. vraiment un plaisir. Alors, depuis 2010, il y a eu un séisme épouvantable en Haïti. Et depuis, quelle est la situation en Haïti? Bien, depuis les séismes du 12 janvier, eh bien, c'était un drame. C'était un drame national. C'était exactement un drame également d'un point de vue international. Et toute la communauté internationale s'était mobilisée pour aider Haïti, pour aider à la reconstruction d'Haïti. Mais on comprend bien, 14 ans plus tard, après le séisme du 2 janvier, eh bien, on constate que rien n'a été fait. Donc, les gouvernements, les politiques ont continué avec les mêmes modes opératoires, eh bien, il y a environ 15 milliards de dollars qui ont été débloqués pour la reconstruction d'Haïti. Mais lorsqu'on constate la situation actuelle, on n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est comme si c'est pire que 2012. Si un autre séisme venait à se produire, eh bien, la catastrophe serait beaucoup plus grande. Donc, la situation, je dirais, est pire en Haïti aujourd'hui. Alors, votre président était, enfin, un de vos présidents a été assassiné en 21, en 2021. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque l'ancien président Jovenel Moïse était en train de se rapprocher de la Fédération de Russie, notamment par la prise de certaines grandes décisions. Par exemple, le 2 juin 2021, il a reçu les lettres de créance de la Fédération de Russie, de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Haïti. Le 17 juin 2021, il a fait un voyage en Turquie où il a rencontré un officiel russe. Eh bien, les États-Unis ont estimé que c'est un acte de trahison puisque Haïti doit toujours rester dans le giron des États-Unis. On ne peut pas confirmer avec certitude aujourd'hui que c'était un coup des États-Unis d'Amérique, mais avec le temps, on arrive à comprendre beaucoup mieux. Eh bien, et actuellement, ce coup de force, ou bien ce coup d'État, disons-le clairement, a vu la montée au pouvoir du Premier ministre Ariel Henry. Je pense que la CIA a fomenté ce coup d'État de palais visant à éliminer le président Jovenel Moïse, qui est considéré comme un élément gênant, et la continuation du pouvoir en place, le pouvoir PHTK. Et jusqu'à présent, la situation va de mal en pire et les conditions humanitaires, sécuritaires sont désastreuses, mais le gouvernement a toujours son petit bonhomme de chemin sous les bonnes grâces des États-Unis d'Amérique. Alors, il y a des guerres des gangs quand même, non? Effectivement, il y a la guerre des gangs et il y a l'emprise des gangs sur toute la population. En Haïti, on vit un stress quotidien. Jean, la guerre des gangs a toujours existé. Il y avait les fameux tontons Macoutes, enfin bon. Bon, Avant. oui, et on peut dire sous la dictature des Duvaliers. Donc, il n'y avait pas vraiment l'expansion de la guerre des gangs. Ça a commencé, je pense, dans les années 2004. Dans les années 2004, avec la question de Glenn Banda, avec le départ de Jean-Bertrand Aristide, eh bien, qui était en train de gangstériser, en quelque sorte,
le pays donnait des âmes à des bandits, le phénomène de bandits, de chimères, et que au fur et à mesure, ça va se généraliser, ça va prendre de l'ampleur. Mais ces derniers moments, eh bien, les gangs, on peut penser que le gangstérisme est une entreprise, puisque ça rapporte de l'argent. Donc, les gangs font beaucoup de kidnappings dans le pays. Ils rançonnent les gens. Bon, dernièrement, ils ont kidnappé un citoyen dominicain de la République dominicaine. Ils ont également kidnappé des citoyens américains, des citoyens, notamment Oui, ce sont des des religieux. rap d'étrangers, donc. On peut penser que même le gouvernement utilise certaines factions des gangs pour pouvoir boycotter des manifestations de masse. Le gouvernement utilise des gangs. On parle à ce moment-là des gangs d'État. Donc, les gangs qui tuent, Oui, des hommes de qui main, quoi. tirent sur la population pour ne pas rassembler, pour ne pas faire des mouvements de protestation. Mais à un moment donné, on perd le contrôle des gangs. Et à l'heure où je vous parle, le ministre de la Justice en Haïti a déclaré qu'il y a des territoires qui sont des territoires perdus. C'est vraiment grave que le gouvernement, le pays, n'a pas le contrôle sur tout le territoire, le contrôle même sur la capitale. Les principaux axes routiers en Haïti sont contrôlés par les gangs. Dans un lieu qui s'appelle Mon Cabrit, eh bien, les gangs dirigent cette zone. Pour passer, il faut payer. Il faut payer les gangs pour traverser, pour passer, pour arriver à la capitale. Et donc, c'est vraiment grave. Il y a une situation de stress quotidien. La situation humanitaire, la situation alimentaire qui est désastreuse dans le pays. Les gens fuient le pays. Les gens fuient la misère. Et les USA, l'Occident continuent à supporter, à soutenir le gouvernement, ce gouvernement sanguinaire. Donc, ce gouvernement en Haïti, Il déclare être impuissant. impuissant, puisque Parce que le ministre de la Justice a déclaré très clairement que ces territoires sont des territoires perdus. Donc, alors, ils vont rien faire. j'ai vu que l'ONU avait décidé d'envoyer des policiers, enfin des policiers kényans en Haïti, c'est ça? Oui, C'est pas. effectivement. Bon, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui a effectivement pris cette résolution. C'est une force multinationale. C'est comme ça qu'on l'appelle. Cette force sera dirigée par les autorités kényanes, mais c'est environ 1000 à 1500 soldats. Donc l'ONU, effectivement, dans un rapport publié en janvier 2023, il a mentionné que 531 personnes ont été fusillées, ont été tuées par les gangs armés et 300 blessés. Eh bien, il a effectivement souligné que la guerre des gangs, les gangs en Haïti font beaucoup plus de morts que la guerre en Ukraine, plus de morts civiles. Donc, quel est l'objectif de cette force? Une force environ de 1000 à 1500 soldats, et les autorités kényanes ont clairement fait savoir que cette force sera engagée pour sécuriser certains bâtiments publics, certaines institutions publiques, certains axes routiers importants, mais cette force ne va en aucun cas combattre les gangs, effectivement, pour rétablir un climat de sécurité en Haïti, ce climat qui va permettre les élections. Donc, au moment où je vous parle, il n'y a pas vraiment d'issue concrète à cette situation et catastrophique où les bandits Et alors, est-ce qu'il y a aident un la population. espoir, est-ce qu'il y a un espoir quelconque pour Haïti? La Chine investit chez vous? La Chine, donc, il y a tout simplement des relations commerciales
avec la Oui, Chine. Il n'y a oui. pas d'ambassade de Chine en Haïti. Et puisque en Haïti, on reconnaît la République de Taïwan comme la seule Chine. D'accord. Donc, Et la Russie? La Russie la a Russie. une représentation diplomatique, bien sûr. Oui, là aussi, il y a une représentation diplomatique, mais Vous avez des c'est pas vrai. accords commerciaux, quelque chose comme ça? Non, on n'a pas vraiment des rapports commerciaux avec la Russie. L'Occident est en train de soutenir ce gouvernement, le gouvernement d'Ariel Henry, qui ne se soucie pas de ses citoyens, qui accepte que les gangs tuent la population comme bon leur semble, et que Ariel Henry est déjà sur son 30e mois de gouvernement depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Et on nous dit qu'il va réaliser des élections, il va réaliser. Mais il est sur 2 ans et demi. Et un demi-mandat d'un présidentiel régulier. Or, il ne fait rien que le premier ministre est impliqué jusqu'au cou dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. S'il n'est pas au pouvoir, il estime que on va lui arrêter. Maintenant, tous les accords politiques avec des acteurs nationaux, notamment l'accord de Montana, l'accord du 11 septembre, l'accord du 21 décembre, tous ces accords ont échoué. Quelle est votre vision de l'ONU en fait? Qu'est-ce que c'est pour vous l'ONU? C'est quelque chose de complètement obsolète. L'ONU est sous l'influence des pays occidentaux. Donc, la majorité des décisions à l'ONU sont influencées par les pays occidentaux. Et que, donc, je m'inscris également de la vision politique des pays émergents ou bien des pays du sud global, par exemple la Chine, la Russie, le Brésil, qui pensent qu'il faut avoir d'autres pôles de pouvoir, d'autres puissances, effectivement, qui peuvent avoir leur mot à dire. Et par exemple, genre, pour un monde multipolaire également, parce que le leadership américain crée de la misère. Et c'est pas sans raison que les pays africains ont tourné le regard vers les pays comme la Russie, vers les pays comme la Chine, puisqu'ils estiment que... Eh bien, écoutez, Jean, je vous remercie beaucoup. Alors, ce que je vais faire un montage, parce qu'on a mis, on a fait 41 minutes à peu près. Il faut que je le réduise à une vingtaine de minutes. Je fais un montage, je vous le soumets, d'accord? Vous me dites, OK, OK. c'est bon ou c'est pas bon, enfin bon, voilà. T'as oublié ça ou t'as oublié ça. Et puis, à partir de là, je le mets en ligne. Et on y va. D'accord? C'est moi qui vous remercie. Merci Eh vraiment pour bien, ce bonne chance. privilège. Très bonne chance. Merci. Salut, Jean. Merci.